Moi, je sais pas si je dois les choisir ou pas. Non, c'est la minoire. Bon, merde alors. Bon. Mais on va faire la minoirio, hein. Et donc, si. Je vais vous montrer. Je vais me laisser à l'année dernière. Voilà. Au moins. Ouais, là, c'est bon. Ouais, il va avoir des trucs. Il va avoir des cubes entre temps, hein. J'essaie de pas aller vite, c'est fait exprès, hein. Vous inquiétez pas. J'ai pas un problème avec le. Alors j'attends juste que une banane ou un truc comme ça. C'était beau. Bon voilà, on va y aller. Bon, alors je vais expliquer. Si voilà, attendez, je vais prendre un cube. Attention le wagon, j'aime pas. Voilà, ma banane va être entourée de bleu. C'est ce que vous constatez à l'écran, là. Donc, je vous regarde. Punaise, punaise. La banane a été entourée de bleu, voilà. Là, je l'ai pété. Voilà, ma banane. Voilà, une banane. Si moi, l'autre... Imaginons que c'est Wario qui l'ai posée. Si moi, je rentre dedans, voilà, je ne la prendrai pas. Voilà, regardez une deuxième. Bon, là, j'ai loupé. Mais si je fonce dessus, je ne la prendrai pas. Et ça, j'avais trouvé ça super bien de la part des développeurs de faire ça, quoi. Moi, pour moi, si vous avez joué à la version DS, vous trouverez ça bien, quoi. Même si c'est pas un grand atout du jeu, je le dis, hein. Les trousses crevées. Oh oui, dans le vide, Bowser. Cassé, là, dans tes dents. Voilà, donc j'avais trouvé ça super bien. Allez. On va. Voilà. Donc voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça super bien, quoi. Si vous jouez à la version DS, quand par exemple vous êtes premier, donc j'étais toujours premier, puisque la version DS est trop facile pour moi. Voilà. Donc j'étais premier. J'étais rouge, par exemple, comme le roi Bou. L'équipe rouge, et si le deuxième était dans la même équipe que moi et qu'il me lançait une carapace rouge, je me la prenais. Alors que là, si par exemple c'est Wario le deuxième qui est bleu aussi, s'il m'en envoie une, je ne la prendrais pas. Ça, j'avais complètement adoré, quoi. Voilà, c'était la session. Oula, voilà, voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de ce Mario Kart, hein? J'ai déjà fait le tour, mais bon, on peut. Je vous montrerai le mode de chez Mario Kart et tout. Donc ça reste encore à... Bon, on a un choix de personnages géants. Mais géants. Quand je dis géant, c'est géant, quoi. C'est super. Punaise, punaise. Bien fait. Voilà, c'est géant, quoi. On a 12 personnes au début. Et à la fin, quand on les a tous débloqués... Non, pardon. Tous débloqués, on en a 25 facilement. On a facilement le double de personnages en choix, quoi. Alors Funky Kong, ça a été une surprise pour moi quand j'ai vu Funky Kong sur internet. Quand j'ai vu les personnages, je me suis dit Funky Kong. C'est dans Donkey Kong Country Returns. Il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Vas-y, prends-toi ça dans la gueule. Vas-y. Allez, allez. Eh merde, j'ai pas su l'esquiver là. Voilà, c'est bon. Je vais quitter là. Voilà. Donc je vais couper. Et on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite. Allez, salut. À la deuxième partie. Salut, donc c'est toujours Vince Daft Punk pour Mario Kart test. On va aller tout de suite voir ce qui se cache derrière la chaîne Mario Kart. Donc on peut aller voir les classements. Voilà. On peut avoir les amis, des fantômes qu'on peut télécharger sur internet, des classements et des concours. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que Nintendo nous propose. Allez, je vais aller dans les classements contre la montre et je vais vous montrer quelque chose. C'est dans classement mondial, regarde, continental je vais faire. Je suis un malade, non, mondial. Je suis un malade et je vais aller dans Gorge Champignon. Je suis lui, regardez-moi ça. Je suis le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e mondial, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Regardez-moi ça. Le champion, il a fait 1,57 et moi, j'ai fait 2,13, quoi.
C'est un truc de malade. J'ai même battu lui, mais... Allez, on va essayer de se le faire. Vous allez voir ça, on va se le faire, là. Je vais prendre... Ok, elle a pris quoi? La coin-coin. Elle est bien, la coin-coin? Ouais, on va prendre... Allez, juste pour le fun, je vais essayer pour vous de vous montrer comment je peux battre. Bon, je joue pas souvent avec Todd, hein. Oh punaise, j'ai peur. Non, je rigole. Non. Oh punaise. Excusez-moi, j'ai fait un faux départ. Hein? Voilà. Oula, comment il fait ça l'autre? Oula, oula, oula. Excusez-moi, je vais changer de pilote parce que j'aime pas les dérapages comme ça. Je vais prendre Diddy Kong. Diddy Kong, excusez-moi. Non, pas Birdo, elle est pourrie. Diddy Kong. Avec la cyclo vroom. Non, la moto standard plutôt. On va essayer de se la faire là. Encore champignon. Non. Non, pas usine Todd, trop du cul. Contre Nin Murak. On va se l'affronter, excusez-moi pour tout à l'heure. Mais je savais pas que la... J'aime pas. Comment dérape donc. Toujours le Wario, hein. Bah 80, tu me l'as dit que tu l'avais. J'ai aussi Mario, mais il est dans ma chambre, je n'ai pas envie d'aller chercher. Je vous jure que je l'ai battu. Hein. Oh non, non. Excusez-moi. C'est un vrai désastre. Bon, Mario, tu tombes pas comme dans la Mario détente, hein. C'est un vrai fiasco, allez. Oups, punaise, je la mets. D'accord. Donc, aussi, nouveauté de Mario Kart, on a le droit à des figures maintenant. Vas-y. Allez, des décors. Si je le bats, je gagne la mini-monstre. Voilà. Oh bordel, je sens que je vais je vais t'avoir fumier. Et puis, je suis en train de me la faire. Je suis en train de me la faire. Moi, bon, j'ai vu le raccourci, mais je l'utilise pas. Je vous le cache pas, je l'ai vu, hein. Vous inquiétez pas. Oh, mais je vais me la faire. Putain, si je me la fais, je suis trop content. Je vous jure que je serai happy. Allez, fais-toi là. On va se la faire, la Toadette. Allez, les minibus là. Allez, moins deux secondes. Je vous jure que si je réussis à me la faire, je... Je me suis attrapé là. Si je tombais là, je sais même pas ce que je ferais. Ah, j'ai pas eu le truc, c'est dommage. Mais je suis en train de me la faire. Victoire! Oh oui! Oh oui! Mon premier fantôme! Mesdames et messieurs, c'est un petit pas pour Vince Daft Punk. Un grand pas pour Mario Kart. Oh punaise! On va voir le classement tout de suite. Oh punaise. Vous pouvez pas savoir comme je suis content. Regardez-moi ça, je viens de dépasser quelqu'un. Hein. Je suis 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième quoi. Cinquième continental, je suis. Bah. Regardez-moi ça. De 12, 1,58.
Voilà. Voilà un peu ce qui se cache derrière Mario Kart. Hein. Je vois qu'on est qu'à 6 minutes. Voilà, donc je... J'ai pas encore la connexion Wi-Fi, excusez-moi, mais bon. On n'a pas concours. Fantôme, je sais pas. Quoi, ce fantôme? Ah, il va me dire qu'il faut Internet. Ah, ah, bah non. Voilà. Excusez-moi. On a vu ce qui se cachait derrière la chaîne Mario Kart. Mario Kart. Voilà, donc, dans la troisième vidéo. Ben, j'ai le temps de vous faire un bataille, hein. Ah oui, il est... Oui, oui. Je vous avais promis ça, mais j'avais presque oublié déjà. Oh là là, vous me direz, Vince Zafun, qu'est-ce que tu fais? Non, pas Diddy Kong. Là, je vais faire honneur à... Ouais, lui, il dit oui. Et lui... Hey, les gars! Donc, Arène, oui, on a des arènes complètement inventées. Scoreblocks. Jeter Delfino, qui est super bien. Stan Funky Kong. Ouh, il est trop bien, c'est sûr. Roulette Chomp. Pas mal. Et des joueurs Chomp. Que... On a aussi les arènes rétro, voilà. Voilà, Cookie Arena, la DS Maison de l'eau. Je vais à la Nintendo 64 gratte-ciel. Je trouve personnellement bien. Pas mal. Donc, le but du jeu, chacun commence avec 3 ballons. On doit exploser le plus de ballons possible. Donc là, on a un compte, vous allez voir, qui va s'afficher, voilà. J'ai 3 ballons. Et je suis à l'équipe bleue. Donc je dois crever les ballons à l'équipe rouge. Et à la fin, ça comptera, voilà, à rouge déjà. Voilà. Là, je viens déjà crever. Et j'ai 1 point. Voilà, 1. Ils en ont 1 aussi, tu vois. J'ai dit, tu vois. Excusez-moi. Et si je chip un ballon à quelqu'un là, punaise. Alors si je tombe aussi, on perd un point. Je perds un ballon. Punaise, on gagne, allez, c'est bien. Punaise. Oh non, le PD. C'est qui ça? Bébé Mario, tu vas souffrir. Le bébé Mario. Je suis, hein, vous inquiétez pas. Je ne perds pas de vue celui-là. Oh punaise! Ou Birdo. Voilà, et on a dans un temps parti. Ouh, j'ai rien, j'ai personne. Ah, j'ai eu un point. Donc j'ai 2 ballons crevés et là on voit le. Merde! Vas-y! Et en fait, quand on perd, quand j'ai perdu mes 3 ballons, kitsch. Quand j'ai perdu mes 3 ballons, en fait, je revis. Alors j'ai été étonné puisque dans la DS, c'est pas du tout comme ça. On perd, la partie est terminée. Et on sait pas. Après, il nous affiche le score comme ça. Alors. Oui, café, bébé Mario à la con. Excusez-moi pour ceux qui l'aiment bien. Hein. Excusez-moi, mais je joue pas avec lui. Allez. Ah, il reste plus qu'une minute, allez. Luigi, viens voir. J'arrive. Oh bordel. Et donc, c'est pareil que pour le... Putain, si tu m'envoies un truc, je te tue. Voilà, regardez. Je disparais. Je réapparais. On a juste un point en moins qui va s'afficher. Ah bah non. Ah bah si, on avait de l'eau tout à l'heure. Voilà, donc c'est le même principe que pour les courses normales, quoi. Voilà. C'est le même principe que pour les courses normales, en fait. Le joueur de la même équipe ne pourra pas se faire toucher par... s'il a mis, par exemple, comme je vous expliquais tout à l'heure. Oh punaise, on a gagné, on a gagné. Ce serait con qu'on perde, hein. 2, 1, finished.